toi, tu prépares t'as un spectacle que tu prépares pour bientôt avec ouais, Malek. Ouais. Yac. Le chanteur, compositeur Malek. C'est ça, ouais. Français. Mmh. Vous allez jouer au Maroc après ? J'espère bien. Je suis en train d'essayer de mettre en place la tournée. Là. C'est très bien. J'ai beaucoup de rendez-vous. J'ai des spectacles de quoi ? Théâtre, musique. Super. Et avec Radin Nahadro. Afti Malek, c'est quoi Nos Françaoui ou Nos Maribi ? C'est vrai. Ouais. Donc on a le même mélange. Ouais. Où est-ce qu'on est né? Le Maroc, on est né en France. Mais on a le même mélange et les mêmes, quasiment les mêmes origines. On est né à la même date, en juillet 59. C'est vrai. Et quand on s'est rencontrés, on s'est dit mais on est jumeaux, lui musique et moi théâtre. C'est ça. Tu vois? Et donc je l'ai embauché parce que j'avais déjà écrit le concept de mon spectacle, j'avais déjà le texte et tout ça. Et quand j'ai entendu, tu veux savoir comment je l'ai rencontré, Malek? Dis-moi. Ça t'intéresse? Tu as deux minutes? Oui. J'étais invitée à une fête à l'ambassade du Maroc en France. Ok. Et j'y suis souvent invitée, donc j'arrive. Et j'entends du Georges Brassens. Je me dis, c'est bizarre. Les Marocains, à une fête de l'ambassade, ils invitent un Français qui chante du Georges Brassens. C'est bizarre. Ouais. Et je vais boire un petit verre et tout ça. Je discute avec des gens. Et quelques minutes après, j'entends une chanson en arabe magnifique. Je me tourne et je vois ce mec. Je me dis, mais c'est quoi ce type? Il est français, il est marocain, il est... Ah, parce que Malek, tu sais pas. Et avec Malek, tu sais pas. Et j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est pas croyable. Et j'ai devant moi, musicalement, mon spectacle. Donc je suis allée le voir, je lui ai demandé l'autorisation de lui envoyer le dossier que tu as sous les yeux. Ouais. Et il a trouvé ça super. Et maintenant, on travaille ensemble. Voilà.